Vous n'êtes pas à Versailles? Pas cette fois. J'ai été battu. Oh. Lucile, va dans ta chambre. Tout de suite. Quant à vous, espèce de pont à rien, si vous tentez de revoir ma fille, je vous ferai fouetter. Vous ferez arrêter comme un vulgaire criminel, c'est clair? Monsieur, je vous prie de croire que je tiens énormément à votre fille. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger! Avant la tour! Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes! Aux armes! Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes! Mes amis! Nous connaissons notre ennemi! Mais nous devons nous reconnaître entre nous! Que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettre cette cocarde verte, verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire. Un coup de presse. Et les plombs qui ont été préalablement ancrés sont reproduits sur le papier. Voilà. Tout part d'ici et tout le monde dans les rues peut lire ce que j'écris une heure seulement après l'impression du journal. Mon bureau. Votre bureau personnel? Mon Dieu. C'est très impressionnant, je vous l'accorde, monsieur Desmoulins, mais êtes-vous obligé d'être si violent? Tenez, je vous lis. La méthode la plus pratique pour pendre les aristocrates, c'est de s'accrocher aux lanternes des rues. Non. Écoutez, est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'énonce un principe. On n'est pas obligé de l'appliquer à la lettre. Incroyable. Tant de gens qui devaient se haïr encore hier, les voici côte à côte pour célébrer le premier anniversaire de la Révolution. Ah oui, Lucile. Tout a changé. Leurs façons de penser sont nouvelles. C'est le jour après la nuit. La fraternité. Enfin. Lucile. Lucile, ta mère et moi, nous avons parlé. Camille, si vous souhaitez toujours épouser notre fille, eh bien voilà, vous avez notre bénédiction. Elle ne manquera de rien, monsieur, je vous l'assure. Ah, vous ne croyez pas si bien dire, je lui donne 100 000 livres de dot. Oh, ma reine! Ça ira, les aristocrates, la lanterne, Lucile! Je l'ai. Voici donc l'objet sacré, conquis de haute lutte. Il porte une inscription. Unissons-nous pour la vie. J'espère que Lucile me permettra, en qualité de plus vieille amie de Camille, de porter le premier un toast. À la mariée. À la mariée!
Moi, monsieur, je bénis particulièrement ce mariage, qui m'a permis de mieux connaître l'homme que j'admire le plus dans la vie publique. Et si la section des cordeliers passe à juste titre, comme la plus patriote de Paris, c'est à vous, monsieur, qu'elle le doit. Vive Georges! Et vive Maximilien! Vive Georges et Maximilien! Et moi, je bois à notre ami Mirabeau, qui est trop malade pour être des nôtres aujourd'hui, à son prompt rétablissement. À Mirabeau! Je ne sais pas m'en servir. Alors, je ferai coup double. Nom de Dieu. Fais attention. T'inquiète pas. Tu me fais tellement peur. Tout sera fini avant l'aube, Gabriel. Allez, viens, mon grand. Il est temps d'aller se coucher. Laisse mon oncle Maxime tranquille. Non, vraiment, il est... Il est très... Non, plutôt drôle. Enfin, comme tous les enfants, je veux dire. Surtout quand il vous réveille à 1h du matin, à 2h et à 3h30. Ouais. Camille? Oui. Tu ne souhaites pas bonne nuit à ton fils? Si. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit. Excellent, Camille. Excellent. Ah. Tu n'as rien perdu de ton style. Ça arrangera bien les choses. Maxime? Merci, Lucile. Bonne idée. C'est très aimable à toi. Tu vas être tout beau, tout frais. On va aller au jardin tous les deux. Oui, génial. Tu vas te promener? Oui. Quel gros souci. L'arrestation d'Hébert. Hébert représentait une menace. Maxime fait simplement ce que je l'ai supplié de faire depuis des mois. Mais le qualifier de monarchiste. Si la vérité est devenue aussi vide de sens que cela, alors personne n'est à l'abri. Ni toi, ni Georges. Écoute, il faut juger Maxime sur ses actes, pas sur ses paroles. Il a besoin de Georges comme d'un allié, pas comme d'un ennemi. Maintenant, je dois aller travailler. Ne t'inquiète pas. Tout ira très bien, tu verras. L'horreur, Camille. L'horreur. Tu vas faire quelque chose, n'est-ce pas? Parle-moi. Il faut pas que ça continue.